平遥电影展和就中国现有的这些电影节有什么样的区别？我们把平遥国际电影展定位为小身段大格局，就是我们希望能够精选影片，而不是海量的影片，希望能够传达我们的文化信息。您是如何接触到法国和法国文化的？那是一种非常奇妙的观影体验，因为不懂法文，它让我更加专注在于语言之外的电影语言。平遥国际电影展才刚刚起步，对于它未来的发展，你有什么样的计划吗？我个人的寄望就是到明年电影展的时候，我可以主要是去看电影。Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez parcouru pour la première fois cette petite ville ancienne? J'ai vraiment entendu l'appel de la ville. Quelles sont les conditions d'inscription à ce festival? On appelle ça un festival boutique, boutique festival, c'est-à-dire un festival qui ne va pas montrer trop de films. Quelles vont être, selon vous, les nouvelles tendances du cinéma mondial dans les années qui viennent? Les tendances seront certainement à la disparition progressive des festivals. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur des formidables remparts de la cité antique de Pingyao qui organise son premier festival international du film. Un festival qui a été créé par le réalisateur chinois Jia Zhangke et son délégué artistique, le producteur italien Marco Müller. Une nouvelle plateforme pour le cinéma mondial qui devrait permettre de découvrir la nouvelle génération de réalisateurs chinois, mais aussi de promouvoir le cinéma d'auteur international. Le Festival international du film de Pingyao, lancé au mois de novembre, son année zéro. Plus de 40 films du monde entier ont été projetés sur les écrans du palais du film de Pingyao, la plupart diffusés pour la première fois en Chine. Baptisé Crouching Tiger, Hidden Dragon en hommage au film mythique d'Ang Lee, le festival avait organisé deux comités consultatifs auxquels ont participé des réalisateurs tels que Feng Xiaoqing, Johnny To, Walter Salles et Arnaud Desplechin. La superstar du cinéma chinois Fan Bingbing était la marraine de l'événement. Pingyao 国际电影节将会是一个在中国乃至在世界上都会成为一个非常有影响力的、非常专业的一个电影节。Le festival comprenait six sections cette année. Crouching Tiger consacré aux nouveaux réalisateurs, Hidden Dragon dédié aux films de genre, mais aussi les sections Gala, Nouvelle Génération Chine, Meilleur du Festival et enfin une série de rétrospectives. Né en 1978 à Fengyang, dans la province du Shanxi, Jia Zhangke est la figure la plus emblématique du cinéma indépendant en Chine. Couronné d'un lion d'or à la Mostra de Venise en 2006, prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 2013 pour son film A Touch of Sin, en lice pour une palme d'or en 2015 avec Au-delà des montagnes, il rêvait depuis longtemps de créer un festival de cinéma dans sa région natale. 非常感谢贾樟柯导演能够接受我们的采访。您是从什么时候开始有想在平遥举办国际电影展的这个念头的？我觉得最少三四年了，因为最近的这三四年正好是中国电影市场产业就是高速发展的一个周期。那从过去中国每年生产拍摄一两百部电影，一下子在很短的时间里面增长到了，到去年超过了700多部影片，接近800部。就是在这样的一个高产量的同时呢，就是我觉得每年都有很多有才华的导演，年轻导演产生，他们急需要一个平台能够被电影工业能够被国际社会所了解跟理解。我看到的很多电影啊，比如说我特别让我激动的这个创作力非常活跃的电影，实际上它恰恰是比如说是在亚洲拍摄的，在非洲拍摄的，在南美拍摄的，在东欧拍摄的，它这些影片呢在中国内地确实是不容易被人看到。过去中国我们国家主要是在上海北京嘛，那之后也在长春啊，在西安跟福州都有国际电影展、国际电影节，但是最近来说，我觉得一个是中国电影的这个市场在扩大，产量在扩大，一部分的观众的这个需求也在变多元，我觉得还是需要再建立一个新的影展。
那您觉得平遥电影展和中国现有的这些电影节有什么样的区别？它的定位是什么？我觉得因为平遥是一个古城，它有2700年的历史，它又地处在黄河流域，黄河文化发祥的地方，它负载着非常多的中国的历史传统的信息，那同时呢，平遥又是一个小城，所以我觉得它很容易跟大的城市做出差异化的这样的一个影展。那比如说我们看这个上海国际电影节跟北京国际电影节，这两个电影节依托的都是人口巨大的城市，同时这些城市呢又都有电影工业，那这些影展所选择的电影的数目非常多，听说上海和北京的选片都接近400部了，也就是说在10天的时间里，整个城市要放映400多部影片啊，这是一个非常巨大的量，我觉得就是它有它的一个数量上的优势，但是我觉得对我来说，我想把这个国际电影展放在平遥，是因为我非常喜欢小型化的影展、精品化的影展，所以对平遥电影展来说，我们今年只选择了这个40部这个影展影片，还有10几部这个回顾展影片，加起来52部影片。那这样一个52部影片在8天的时间里面，我觉得能够形成一种聚光灯的效应，能够让导演、演员、制片这些主创跟媒体、跟这个观众有非常密切的互动，我们希望照顾好每一部影片。所以你看，在平遥我们就发生了很多这样感人的时刻，比如说这个中国导演李霄峰的《追踪》放映完了，观众的问答长达1.5小时，停止不了，观众有无穷的问题要问，导演也一直很耐心的在回答，形成了非常好的一个电影展氛围。也包括像文彦导演的《嘉年华》也是出现了这种情况，所以对我们来说，我觉得一个小，就是我们把平遥国际电影展定位为小身段大格局。所谓小身段，就是我们希望能够精选影片，而不是海量的影片。所谓大格局，我们希望能够传达我们的文化信息，这些文化信息我觉得包括逐渐的形成中国人自己的这个判断电影的一个方法，和形成一个来自平遥国际电影展、来自中国的一种电影的一种判断。本次的电影展专门设有卧虎单元和新生代单元，都是旨在发掘优秀的新人新作。您也一直都致力于培养中国的年轻导演，那您觉得这次的影展给您最大的惊喜是什么？我觉得最大的惊喜还是这个新一代电影工作者他们澎湃的激情和横溢的才华。我们这次选片有2/3的影片是青年导演的第二部影片，就是无论是卧虎单元强调作者的导演，还是长龙的单元强调这个类型的单元，特别是我们有一个专门的中国新生代单元，我们选择了8部最新的这个年轻导演作品。你比如说我们这一次的有几部像这个中国第一部入选3大电影节的动画长片《大世界》，也在选择平遥进行中国国内的首映，比如说文彦导演入围威尼斯竞赛单元的《嘉年华》，也是把平遥作为中国首映的第一站，我觉得得到这些年轻导演的认同和支持，这是这个影展我觉得是一个非常巨大的一个成就。那另外一方面呢，我觉得我们确实在开幕之前还是有些忐忑，因为确实我们是第一次在平遥做国际电影展，不知道我们的观众会是谁，他们从哪里来。那么从这个开展以来，我们高达93.7%的高上座率，每天有2万人次的人涌入到这个园区，我觉得当我就是每天我主持这个映前映后，进入到每个厅基本上都是爆满的这样的一种状态，迎来了这么好的观众，我觉得这个确实一个电影节存在的基石是观众，就跟电影一样，没了观众电影不存在。Bien qu'il s'agisse de la toute première édition du Festival de Pignan, l'enthousiasme du public a largement dépassé les attentes des organisateurs.
其实当我第一次进到这个电影宫的时候，我也就是哇，好惊讶，我没有想到在这么短时间之内，为平遥、为我们电影展呈现出这样的一个非常好的一个设施，这样的一个大的屏幕，然后非常优质的电影，真的是我是没有想，因为我之前一直没有参与到这个筹备的工作当中，当我以一个观众的身份进到这个时候，一切对我来说是太美好了。This festival gives me impulse to be a fan of China and Chinese culture and movie and everything. 电影文化的环境需要这么一个带有主题、有想法、有构想的这么一种平台，能够把我们年轻人的新兴的一种创作力量整合起来。在您的眼中，什么样的电影可以称得上是一部好的影片？一部好的电影它需要有最少两个元素。第一个元素我觉得是内容层面的，就是这部影片是不是能够带给观众、带给人们以新的一种观看这个世界的角度，对这个世界有新的理解跟发现。那另外一方面呢，我就是形式层面的，就是电影发展了100多年，电影的历史已经超过了100年，那最新的创作，这些好的电影，它有没有对电影语言的进步、对电影语言的改变、对丰富电影语言做出了贡献？我觉得这两个要素如果能够结合到一起，那就是一部非常完美的电影。本次的影展还专门设立了法国新浪潮导演梅尔维尔的纪念单元。您自己本身也曾经受到过他的电影的影响吗？我非常个人非常喜欢梅尔维尔的影片，因为我觉得他自身就是比如说他对美国电影的学习，他对日本电影的学习，他自身就是博取东西方电影文化的特长，形成了他独特的个人风格，他自身这样一个吸收东西方文化这样的一个专业背景，就跟我们办展的时候希望平遥成为融汇东西方文化的一个宗旨相吻合。另外一方面，我觉得他的电影理念、电影观念，他认为电影是大众化的，电影的特性、媒介的特点里面，电影就是亲近大众的，这一点我非常的认同。但是同时他觉得在这样的背景里面，仍然应该保持作者性，保持作者个人的情感的表达，表示作者独特的是这个对世界的理解。您的作品在法国非常的受欢迎，而且多次获奖，您是如何接触到法国和法国文化的？能不能跟我们分享一下其中一些比较有趣的故事？我读书的时候是93年，正好是中国改革开放的一个年头，所以就有大量外来的电影、外来的文化，包括很多第一批的出国留学的这样一个电影学者都归国了。最有意思是那个时候法国的这个文化中心，他们是为法语爱好者提供了一个放映电影的场所，就是在当时的法国小学，在三里屯那边，每周会有2次的电影放映，我就去办了一张证，然后每周去那儿看法国电影，都是我在那个法国小学看，几乎把戈达尔所有的电影、特里弗所有的电影都看完了。但是那是一种非常奇妙的观影体验，因为不懂法文，它全部是法文对白，也没有中文字幕，它让我更加专注在于语言之外的电影语言，因为电影自身是有双重的语言，一个是人物所讲的法语，另外一个语言是电影镜头所产生电影语言，我觉得它也让我对法语本身的韵律美感有一个久久难忘的记忆跟印象。那个时候都是每周去骑自行车，骑1个多小时，从北京的西边，从金门桥骑到这个三里屯这边，是挺美好的回忆吧。现在在中国的电影市场上，可能看到的大部分都是大制作或者是好莱坞的大片，然后即使是在一些大城市，比如说像北京和上海啊这样的大城市，也很难找到一些类似于作者电影或者是文艺电影的放映。您觉得在这方面，中国是不是可以学习一下或者效仿一下法国在电影方面的一些机制，能够保护这个电影文化的多样性？我觉得首先从观念上来说，我觉得目前中国处在一个这个
文化快速发展的一个阶段，文化也被很多人所重视，啊，就是从初期的这个经济的为中心的这样的一个建设，逐渐的也意识到文化的重要性，文化多元性的重要性。但是在实施的这样的一个路径上，确实我觉得法国有很多值得我们去借鉴的东西。比如说我们在去年成立了中国艺术电影放映联盟，我们在中国现有的院线的基础上，联络一些影院，组织了将近300块荧幕来支持我们这样的一个放映系统，专门来放映艺术电影，希望中国的艺术电影能和世界上最优秀的艺术电影能够通过联盟的努力，跟观众见面。同时呢，也让过去比较这个粗放的电影市场，因为过去中国电影市场是一家影院，又放商业片，又是放艺术片，还放这个纪录片，还放卡通片，所有的类型是混在一起，它没有形成一个细化，没有细分，市场没有细分，影院没有细分，所以致使很多艺术电影的空间就比较少。那我们在去年做这条艺术电影联盟的时候，也是5-6家单位，最主要是中国电影资料馆来牵头来做，也是参考了一些法国的做法，包括怎么认定这部影片是有艺术价值的影片，然后应该给予它什么样的宣传，什么样的排片，怎么样保持它的这个时间放映的时间跟空间。确实我觉得从这个具体的做法上，可以向法国电影工业学到很多东西。平遥国际电影展才刚刚起步，对于它未来的发展你有什么样的计划吗？首先我希望它能如期的一届一届办下去。我个人的寄望就是到明年电影展的时候，我可以主要是去看电影，而不是在组织影展。Né à Rome en 1953, Marco Müller est un producteur de cinéma. Dès 1978, il devient programmeur de festivals et va assurer ensuite la direction de nombreux festivals comme ceux de Pesaro, Rotterdam, Locarno, Venise. Il a créé en 1981 le festival Electric Shadows à Turin qui diffuse de nombreux films chinois réalisés en dehors des gros circuits de production. Il est considéré comme l'un des principaux promoteurs du cinéma chinois à travers le monde. Vous êtes le directeur artistique de ce festival. Depuis quand travaillez-vous avec M. Jia Jiangke? J'ai rencontré Jia Jiangke lors de la première de son film Xiaowu à Berlin. Je travaillais à l'époque encore comme programmateur du Festival de Venise et c'était l'évidence que Zhan Tai, son deuxième film, se devait de rentrer dans la compétition, dans les films choisis pour la compétition du Festival de Venise. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a gardé quand même une relation assez étroite. La plupart des touristes étrangers connaissent d'abord de la Chine, ces grandes métropoles comme Beijing et Shanghai. En tant qu'étranger, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez parcouru pour la première fois cette petite ville ancienne ? C'était immédiatement assez fort. J'ai vraiment entendu l'appel de la ville. C'est-à-dire, j'ai vraiment senti assez tôt que c'était une ville idéale pour organiser un festival, pour deux raisons. La première est que c'est une ville très hospitable. Et la deuxième, c'est que tout peut être très concentré ici. En plus, la ville, elle peut être parcourue. Si vous allez de l'est à l'ouest ou du sud au nord, vous marchez en 20 minutes, vous êtes de l'autre côté de la ville. Donc c'est idéal pour organiser un festival, puisque ça permet à tout le monde de profiter de Pinhão. Mais tôt ou tard, il faudra qu'ils reviennent ici. Et naturellement, le festival devient un lieu de rencontre. Le succès d'un festival de films cinéma dépend largement de la qualité des films sélectionnés. Et quelles sont les conditions d'inscription à ce festival? La seule condition qu'on demande, c'est que le film nous soit présenté au moins en première chinoise, donc que ce soit au moins une première nationale. Notre travail est agencé d'une façon assez simple. Nous avons une équipe de 8 programmateurs dans le monde, qui nous signale les films les plus intéressants. Donc ensuite, je fais le travail de sélection, j'en discute avec Jia Jiangke, mais
L'idée a toujours été celle de rester, en anglais on appelle ça un festival boutique, boutique festival, c'est-à-dire un festival qui ne va pas montrer trop de films, parce qu'il faut que les films qu'on a choisis puissent être immédiatement reconnus comme les films qui vont donner aux spectateurs une faim, une soif de voir davantage de choses du même genre. Donc, c'est des films qui ouvrent une fenêtre sur le monde, qui transmettent des émotions et qui donc peuvent à la limite être très différents des films étrangers, surtout que les spectateurs auxquels les spectateurs pourront accéder dans les multiplexes de leur ville. Et en même temps, évidemment, nous avons beaucoup insisté sur une dimension que nous considérons très importante. L'idée que ce festival peut devenir un peu le point de repère pour les cinéastes chinois, surtout pour les nouveaux cinéastes chinois. Donc on a vraiment beaucoup travaillé à un défrichage systématique de tout ce qui est nouveau dans le cinéma chinois. Et j'étais moi-même assez surpris de comprendre à quel point le cinéma chinois est maintenant redevenu multicentrique. La réalité du cinéma chinois, c'est une réalité qui m'a un peu poussé à avoir le même désir, la même impulsion que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler sur le cinéma chinois. J'ai découvert véritablement le cinéma chinois en 77, quand les vieux films tournés entre 49 et 65 sont retournés sur les écrans. Et ma première décision a été: il faut que j'ai ressenti tellement d'émotions qu'il faut que je les partage avec d'autres gens. Et donc j'ai inventé un festival qui servait comme une sorte de carte géographique de ce continent inconnu qui était à l'époque le cinéma chinois. Et là, je ressens très fortement le besoin de dire: il faut qu'on fabrique nous aussi chaque année ici à Pian une carte du cinéma chinois, parce qu'il y a tellement de tendances différentes et surtout il y a une belle qualité moyenne, et donc il faut qu'on puisse suivre toutes les directions que les cinéastes vont essayer d'explorer avec leurs films. Proposant un nombre d'œuvres limitées, mais choisies avec soin, la manifestation a présenté la richesse du jeune cinéma chinois, mais aussi une sélection de films issus du monde entier. It's a very interesting festival exactly because of this, of bringing together cinematographies that are very far physically, but also it's not that easy to watch Chinese cinema in Portugal and to get to know Chinese films. And I can imagine that here it's the same. It's not that easy to find a Portuguese film in China. So places like this Pingyao Film Festival are key to this possibility of bringing together things that are apart, but at the same time are working with the same matter. Le festival, qui a abrité aussi de nombreux forums, masterclass et conférences, se veut un lieu de rencontre entre les réalisateurs et le public, mais aussi de dialogue entre cinéma chinois et cinéma mondial. And I think a very unique experience, because I don't think a lot of tourists make it to such an incredible place. Perhaps they end up in big cities like Beijing or Shanghai, but not in the Shanxi province and not in Pingyao. So that's a really wonderful opportunity for me. And it's also been a great opportunity to understand more about Chinese film. I've been able to meet some directors. So it's really been an educational and eye-opening experience for me. I was recently at the London Film Festival. So I did see a really diverse range of films. But I guess sometimes we focus too much on the US and European film market, so I think it's fantastic that there are film festivals like this that are a great showcase for both Western and Eastern films. Durant 8 jours, le festival de Pingyao a attiré de nombreux cinéastes, journalistes et spectateurs, réunis par leur passion du cinéma.
Je suis ici parce que voilà, il y a deux grandes stars, dont une chinoise, hein, Jia Jiankui. J'avais été très fascinée par son film en 2013 en tant que spectateur, et j'ai déjà vu deux films qui m'ont beaucoup interpellée, notamment le film de Vivian Chu hier, donc Angel Wears White. Et là, c'était intéressant pour moi, puisque ce qui m'a interpellée, c'est à la fois la condition de la femme, mais aussi la place de la jeune fille dans la société. Société chinoise, mais ça peut être transposé, je pense, dans nos sociétés aussi occidentales. Vous avez une relation très intime, presque charnelle avec ce pays. D'où vous vient cet attachement si particulier avec la Chine ? Du fait que j'ai commencé à étudier le chinois quand j'étais très jeune. J'ai décidé d'apprendre le chinois quand j'ai eu 16 ans. Et donc assez naturellement, je veux dire, je me suis retrouvé dans le premier groupe de boursiers que les différents gouvernements européens ont envoyé en Chine vers la fin de la révolution culturelle. Donc nous sommes arrivés ici à la fin de 1974. C'est quand même... C'est un parcours qui m'a permis vraiment de beaucoup comprendre ce pays et de voir à quel point donc, la Chine continue d'évoluer, continue de changer et de s'améliorer. Quelles vont être, selon vous, les nouvelles tendances du cinéma mondial dans les années qui viennent ? Les tendances seront certainement à la disparition progressive des festivals, ou pour mieux dire, de tous les festivals qui ne sont pas utiles, de tous les festivals qui ne peuvent pas servir à créer les conditions pour qu'il y ait une vie pour les films après la fin du festival, après la clôture du festival. J'espère que Piao ne fera pas partie de ce groupe de festivals. Je pense que Piao a vraiment une belle chance de devenir une plateforme pour que les films gagnent en visibilité, gagnent en attention, démontrent à quel point ils sont capables de trouver immédiatement leurs spectateurs, donc les distributeurs, les télévisions. Donc il y a beaucoup de raisons pour que les films qu'on a choisis puissent vivre pendant des mois et peut-être, j'espère, même des années après, dans les yeux et dans la tête des spectateurs. Pour nous, le dialogue avec le public, c'est vraiment la base du fonctionnement de ce festival. J'étais vraiment surpris de voir à quel point les spectateurs, parce qu'en plus, je ne crois pas en quelque chose d'abstrait et homogène qu'on peut appeler public, si on veut. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se référer à des groupes différents de spectateurs. Ici, d'un côté, nous, on savait qu'on allait trouver une grande partie de nos spectateurs auprès des jeunes et des étudiants. Mais là, j'étais vraiment surpris de voir à quel point même le public populaire, même les familles viennent voir les films. Et je peux vous donner des exemples. Donc à la fin, je ne sais pas, de la projection du film géorgien ou du film bosniaque, nous avons eu des mères de famille qui ont parlé avec les cinéastes en disant « Ce film m'a touché, moi qui suis une mère, je me suis reconnue dans ce personnage. » C'était très émouvant pour les réalisateurs, pour les réalisatrices, puisque là il s'agissait de deux réalisatrices. C'est-à-dire, de deux côtés, elles avaient toutes les larmes aux yeux. Et si vous voulez, c'est la meilleure façon de sceller le rapport entre les films et leurs spectateurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Le lancement du Festival international du film de Pignan va permettre aux amateurs du 7e art de découvrir de nouveaux talents, mais aussi, nous l'espérons, d'élargir les horizons cinématographiques du public chinois. Nous souhaitons les débuts réussis à ce festival et surtout, bonne chance pour la suite. Merci, et donc nous vous attendons toutes et tous à Pignan, ici, Pignan, province du Shaanxi. 谁明白你细心隐藏的悲哀，谁了解你褪色脸上的缅怀？你天衣无缝的潇洒，心底的害怕慢慢生出了苍白。你苦苦的追求永恒，生活却颠簸无常遗憾。 你伤。
傻的追求完美，却一直给。